En 2003, il avait déjà fait parler de lui. Une accumulation d'arbres, de branches et d'algues. Cette fois-ci encore, il n'en a pas fallu davantage pour rompre ce barrage à Aiguilles-sur-le-Cher. Mon pilote m'a appelé cette nuit à 1h du matin, comme quoi qu'il a entendu un bruit. Et quand il s'est réveillé, il a vite compris que le barrage de Chissot a cédé en partie. Hein, un quart à peu près du barrage a cédé, puisque le niveau d'eau a monté assez haut, qui était prévu. Et par contre, il y a eu des arbres qui ont tapé certainement aussi dans le barrage. Et ça a cassé cette partie du barrage à aiguilles. Construit en 1841, cet ouvrage est l'un des 15 barrages de ce type à jalonner le fleuve entre Larçay et Saint-Aignan-sur-Cher. Un barrage non automatisé dont le syndicat du Cher canalisé a la charge. Avec cet incident cumulé aux pluies diluviennes du week-end passé et à la montée du niveau de l'eau, le barrage de Chissot est plus que jamais mis à rude épreuve. En fait, Chissot est en tête des 7 barrages de l'Indre-et-Loire. Et sur toute le périple en Loire-et-Cher, il n'y a pratiquement plus de barrages. Parce que ces barrages ont connu des fortunes diverses et sont au fond de l'eau. Donc ne joue plus le rôle de filtre et d'arrêt des algues qui prolifèrent énormément depuis 2 ans. Reste maintenant à déterminer l'ampleur des travaux à réaliser. Pour l'heure, il faut attendre que le débit de l'eau, qui atteint actuellement 160 mètres cubes par seconde, redescende à moins de 30 mètres cubes. Un plongeur pourra alors constater les dégâts. Les abords du barrage seront quant à eux difficilement praticables dans les années à venir. Il faudra donc se montrer particulièrement prudent dans cette zone.